إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بن فاي بن سيا بن أدوت كرمضان ستنكادو دي لباد الله سبحانه وتعالى إكي شاكن بامينو نو أبزوى دي ساكادو لا كما نو فين تاندي إنو تو نو ريكونيت quantité qui nous fait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 11 mois qui finit traverser là, quantité qui nous fait persister dans désobéissance à Allah et dans haram, chacun parmi nous compte très bien qui sait pas faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Nous tous comptons très bien qui façon qui nous fait vivre Allah Rabbul Alamin. Il n'a pas fini satisfait du tout avec ça, quantité qui nous fait désobéir à lui. Mais malgré toute sa désobéissance là, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il peut permettre nous pour qu'il nous rejoigne Ramadan encore une fois dans nous la vie, peine un noyer qui indique nous, peine un noyer qui est capable de montrer nous l'immensité, faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Grandir de ce faveur qui sa l'occasion qui libérait de nous encore et qui si nous-mêmes nous tiennent pour donner un lutte une certaine occasion après qu'il y vienne faire et il vienne faire certaine négligence il vienne faire un certain manquement envers nous nous-mêmes nous n'a pas pour donner ce sens là encore une fois mais Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'il nous vienne manquer malgré qu'il nous vienne désobéir à lui et malgré qu'il nous vienne provoquer son colère il viendrait de nous et libérer de nous encore une fois Ramadan pour qu'il nous témoigne ce mois-là. Ramadan, c'est un mois pour changer. Bon frère et bonne soeur, nous pour cause un changement à Zodi, qui beaucoup de monde, je n'ai pas pensé dans sa direction-là. Et c'est un parmi bonne raison qui fait l'année allée, l'année venue, chaque Ramadan peut rentrer. Et nous trouvons que la situation musulmane n'a pas pu changer, n'a pas une grande amélioration. Halat musulman dans le monde en entier, qui lit dans la Syrie, ou bien dans Libye, dans Tunisie, ou bien dans l'Égypte, les fait l'équerre faire mal quand nous guettons dans qui va son musulman. Ziscaler nous a coupé la guerre entre nous-mêmes. Ziscaler nous n'a pas encore une instabilité dans nos pays. Ziscaler nous a coupé la main envers ban kafir, envers ban l'Européen. En vérité, c'est une la honte pour sa ummat là. En vérité, c'est une la honte pour sa ummat là. Et que Ramadan, c'est une occasion pour qu'il nous pense dans sa direction là. Pour qu'il nous pense pour changer. En vérité, bon frère et bonne soeur, Allah subhanahu wa ta'ala, qualifie une cause concernant Ramadan. Premier kit sauce qu'Allah Rabbul Alamin fin fait nous connaît. L'idée Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ramadan c'est moi pendant lequel Allah fin descend le Coran hudan linnas un guide pour banjimun. Ramadan c'est ça même moi que Allah fin choisir pour descendre le Coran hudan linnas un guide pour banjimun. Alors c'est dans sa optique là qui a aujourd'hui mon frère et mon soeur nous peut dire nous réfléchir un petit peu pareil comment nous comprend qu'avec la rentrée de Ramadan nous bisait casser la chou avec ce qui appelle péché. Apparaît comment nous vient comprendre qu'avec la rentrée de Ramadan, nous bisait lave la main avec ce qui appelle haram. Pareil comment nous comprend qu'avec la rentrée de Ramadan, nous bisait révolter contre toute chose qui n'a pas fait Allah Ta'ala plaisir. Nous bisait comprend aussi. Qui c'est qui appelle Ramadan? C'est un mois qui vient venir pour qui nous révolter contre
tout quelque chose qui contredit la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala kalipedia shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Ramadan, c'est moi pendant lequel m'offin descend le quran un guide pour banjimun. Allah rabbul alamin liti bien capable dire ramadan m'offin descend le quran dans ce mois là pour qui je te fais tila wa de sa livre là. Mais Allah rabbul alamin li n'a pas fini. Ramadan, c'est un mois qui m'en descend le Coran pour qu'ils ont fait tirawat de sa livre là. Allah peut dire Ramadan, c'est un mois qui m'en descend le Coran, un guide pour Benjamin. Est-ce que nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous, ça Ummat là, qui vraiment m'escalier, nous fin prend le Coran comme nous guide? Si nous t'y prend le Coran comme nous guide, est-ce que dans nos bon pays, qu'il y la Syrie, qu'il y l'Egypte, Tunisie ou bien n'importe qui bon pays dans le monde ou bien jusqu'à dans nos pays, est-ce qu'il nous peut diviser dans sa façon là? Est-ce qu'il dans sa façon là, ça qu'un peut dans son côté? Est-ce qu'il dans sa façon là, ben l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui peut dicter nous qui mais qui vise à faire et qui n'a pas vise à faire. Donc, situation musulman dans le monde en entier, l'éprouve qui en vérité nous vie les doigts avec la guidance du Coran. Oui, Ramadan, c'est un l'occasion pour qu'il nous lit le Coran. Oui, Ramadan, c'est un l'occasion pour qu'il nous traverse nous ben, la nuit et la journée avec le Coran. Oui, Ramadan, c'est un l'occasion pour qu'il nous lit le Coran pendant Tarawih. Mais est-ce qu'il nous n'a pas fait une pense pour qui dans Ramadan me prend sa Coran comme mon guide? La guidance les trouve dans le Coran. La guidance les trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un moment, n'oubliez nous non. Pour un moment, n'oubliez nous maman, nous papa. Pour un moment, n'oubliez nous jamaat. Pour un moment, n'oubliez imam masjid. Pense que Coran, c'est ça la guidance. Pense en termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin descend Coran comme un guide pour moi. Azodizou, beaucoup bantimoun, quand nous guettons nos relations avec Coran, nous pensons en termes. Nous parents, comment fin pratique Coran? Nous pensons en termes, nous jamat, comment peut pratique Coran? Nous pensons en termes, dans nos pays, comment ben la peut pratique Coran? En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, les fin descend sa Coran là comme une guidance. Allah rabbul alamin fin descend Coran comme une guidance. Si vraiment, nous tous, nous t'y prend Coran comme un guide. Si vraiment, nous tous, nous t'y sincères, pas prend Coran comme nous guide. Nous n'a pas de pour diviser dans sa façon là. Il n'a pas un plaisir. Il n'a pas un l'honneur pour nous. Quand nous guettons dans quelle façon nous finissons diviser. Nous pouvons diviser, nous pouvons continuer à diviser. Nous pouvons diviser, nous pouvons continuer à diviser. Pourtant, nous tous nous n'avons un seul Coran. Pourtant, nous tous nous pouvons proclamer que nous finissons le Coran dans un seul Coran là. Pourtant, nous tous nous pouvons dire nous livre sacré ce Coran. Pourtant, nous tous nous pouvons dire ça Coran, c'est un livre de la guidance. Comment est-ce qu'il nous capable de dire Coran, un livre de la guidance? Et ensuite, quand nous guettons nous là, quand nous mettons 10 musulmans ici, chacun lien à son façon de faire, chacun lien à son jamad, chacun et chacun, et nous encore petit à manger, chacun envers son camarade. En vérité, ça c'est pas une latitude qui nous gagne droit à continuer li. Mais quand nous pas fin comprendre, quand nous pas fin comprendre, valer Coran. Et nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre ça, c'est Allah qui vient descendre le Coran dans ce mois-là. C'est à cause de qui nous pensons dans une seule direction. Ramzan peut rentrer bien garde rosa. Ramzan peut rentrer bien faire Tarawih. Ramzan peut rentrer bien faire Sadaqa. Ramzan peut rentrer bien faire bon garçon. Peut la doute que Ramadan peut rentrer nous bien sans nous la vie. Pas vin plissier d'ordine Allah. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment nous n'assisons, nous ne réfléchissons, nous ne posons nous question, est-ce qu'il m'a fait prendre le Coran comme un guide? Comment Allah Rabbul Alamin l'il y attend de moi? C'est à cause ça qu'il nous dit à point de moment, mon frère et mon frère.
Blié, comment moi appelé, qui mon papa appelé, qui mon jamaat, ou bien qui m'a dit, qui m'a fréquenté, ou bien qui s'en a qui mon imam. Nous attrape ce Coran là, demande à Allah Rabboul Alamin, que Allah Rabboul Alamin dans sa moi là, les guide nous vers le Coran, les guide nous vers la guidance du Coran. Si vrai même, si ben musulman, qu'il est dans la Syrie, ou bien il est dans Palestine, ou bien il est dans Tunisie, dans l'Égypte, nous dit avec une conviction, et nous tournons dans sa conviction là, si ben musulman fin retourne vers le Coran sincèrement, si ben musulman fin prend le Coran comme je guide sincèrement, ben à doute qui c'est nous qui pour profiter et nous halat, nous situation ben musulman dans le monde pour prospérer, pour un ben changement. Mais si nous pour toujours avec sa mentalité, Coran fin vient pour lire, Coran fin vient pour faire tilawat kanamayat, et nous n'a pas pensé du tout en terme pour qui nous bénéficier avec la guidance du Coran. C'est la même qui Ramzan pour venir pour aller l'année prochaine, Ramzan pour venir pour aller, et comme ça un 100 bananes, des 100 bananes, les 1400 bananes, comme ça les peut aller, les peut venir, les peut aller, les peut venir, et nous n'a pas pensé du tout pour qui nous sens nous et qui nous prend sa Coran comme nos guides. Allah subhanahu wa ta'ala, première information qu'il donne nous concernant le Coran, dans sa Coran là, il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ça livre là n'a pas aucun doute là-dedans, هدى للمتقين, un guide pour banquer la taqwa, un guide pour banquer la taqwa. Donc là aussi nous trouvons comment Allah Rabbul Alamin libère de nous une première information concernant sa livre là. Allah Rabbul Alamin peut dire Coran, c'est un livre qui n'a pas de doute là-dedans, c'est un hudan lil muttaqin, un guide pour banquer la taqwa. Ici aussi nous trouvons Allah Rabbul Alamin il n'a pas pu dire Alif Lam Mim dhalik al kitab, Allah Papa dit que sa Coran là, mon fin descendu pour qu'ils ont fait tilawat. Allah Rabbul Alamin, papa dit sa Coran là, mon fin descendu pour qu'ils ont lu. Oui, bizarre lire Coran, mais qu'est qui Allah Rabbul Alamin peut dire nous? Qu'est qui Allah Rabbul Alamin peut dire nous? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sa Coran là, en vérité, c'est un guide ça. Coran, c'est un guide ça. Nous bisons pense pour sens nous la vie dans sa direction là. Arrêtez pour un tel ou un tel comme un exemple. Arrêtez suivre un tel ou bien un tel dans son erreur, dans son falsification, dans son mensonge. Retourne vers Coran, livre de la vérité. Pénel musulman qui n'a doute là-dedans, mais seulement est-ce qu'il vrai même nous vient prendre sa Coran comme un guide quand nous réfléchis le premier doua qui n'a de Coran. Premier doua qu'il a de Coran, c'est dans sa première sourate qu'Allah Rabbul Alamin fait mettre dans sa Coran là. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers le chemin droit. Qui c'est un musulman dans le monde? Qui c'est un musulman dans le monde qui n'a pas lié à sa doua là? Qui c'est un musulman dans le monde qui n'a pas pu demander à Allah Rabbul Alamin pour qu'Allah guide-lui vers le chemin droit? Mais qui arrive et nous trouve nous encore divisés? Qui arrive et aller, nous trouvons l'ennemi d'Allah Rabbul Alamin, c'est ceux qui finissent aller déçus de nous, qui font un escalier, nous encore pensons, en termes de Jamaat, ce Jamaat, est-ce qu'il n'est pas fini d'arriver? Ramadan, c'est une occasion pour qui nous sensez. Allah fait de nous sa occasion là, arrêtez avec mentalité, mon Jamaat, ce Jamaat, nous retournons vers, nous tournons dans le Coran, retournons vers parole Allah, nous tournons dans le Coran, Allah finit guide nous. Fin descendre sa Coran là comme un guide pour nous, et dans sa Coran la première doua qu'il peut enseigner nous, ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide nous vers le chemin droit. Oh Allah, guide nous vers le chemin droit. Minimum 17 fois par jour un musulman il peut biser peut demander à Allah sa doua là. Et nous tous nous contrer bien mon frère et bonne soeur que l'islam lila n'a pas sa religion,
Finjanou fait à doigt, on s'y croise les bras assisés. Zamé l'islam, finjanou, Roddamas dit d'assisés. Dia Allah de moi manger bois, Allah de moi manger bois. Allah pour descendre manger bois depuis l'eau l'échelle. Zamé l'islam, finance-nous ça. Salah Rabbul Alamin, ce dîne, finance-nous pour qu'il nous travaille. Et Allah nous demande Allah Rabbul Alamin, Allah facilite mon risque. Allah lui n'a pas content du tout. Si nous assises dans masjid et nous t'allah, mais nous disons Allah de moi manger, Allah donne-moi manger, Allah donne-moi manger. Le prophète Pindir, même si n'a pour monter le montant avec ou la côte, ou elle coupe du bois ou soyez le houle épaule, ou vine vendre ou gagne l'argent. On travaille avec ça, l'argent là, ou acheter ou manger ou boire. Ça, c'est l'islam qui vient enseigner nous. Donc, quand nous réfléchit, le quantité de fois qu'Allah Rabbul Alamin peut enseigner nous pour demander la guidance. Quantité de fois qu'Allah Rabbul Alamin peut enseigner nous, les péros donne-nous pour qu'il nous demande la guidance. L'époux vilain de nous pas. Si tous les jours nous mettons Allah, donne-moi la guidance. Ihdina surat al-mustaqim. Ihdina surat al-mustaqim. Et ensuite, quand la péguette nous, les trouve n'a pas aucun zéfo dans nous l'équipe, n'a pas même l'envie au fond de nous l'équipe pour la guidance, n'a pas aucun l'envie de la guidance au fond de nous l'équipe, n'a pas nous pas pense du tout dans sa direction là, nous n'a pas bébé aucun zéfo dans sa direction là. En vérité, ban frère et ban soeur, ça c'est une parole de vérité qui peine un musulman qui capable de doute là-dedans. Si nous tout le retour vers le Coran comme un bizarre n'a pas pu na tel jamat ou bien tel jamat n'a pas pu na ne pour ne plus na dissension parmi nous, pour ne plus na division parmi nous. Problème c'est qu'il nous finit via les doigts vers le Coran. Alors Ramadan c'est une occasion si vraiment nous souffrir quand nous guettons nos bonnes frères chers, dans qui façon peut souffrir dans bon pays comme la Syrie et les autres bon pays encore. Si vraiment nous souffrir pour eux, alors contribuer pour qu'ils nous sauvent des bien difficultés pareilles. Retourne vers la guidance d'Allah Rabbul Alamin. Retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala ce livre. Et quand nous guettons ban frère et ban soeur, dans ce mois là c'est un mois qui nous pouvait adorer en quantité, nous pouvait connaître en diamant. Et nous compte très bien, nous compterons bien du haki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les finances nous d'akunout. Premier du haki le prophète qui peut demander et qui nous peut demander nous aussi. Un mois nous peut demander sa douala dans la masuitir. Un mois nous peut faire sa douala avec Allah Rabbul Alamin. Allahumma ahdina fi man hadait. Ou Allah guide nous parmi ban qui te fin guide. Un mois nous peut aller même avec ça. Allahumma ahdina fi من هديت اللهم اهدنا في من هديت ولا جدنو بامي بان كيتو فين جدي ولا جدنو بامي بان كيتو فين جدي اسكي vraiment sa parole là les personnes depuis les cœurs qui nous trouve la guidance qui c'est ça même qui pour sauve nous contre l'enfer. Est-ce qu'il nous trouve vraiment qui la guidance c'est ça même nos premiers devoirs envers sa Coran. Nous prend Coran comme un livre de la guidance. En vérité ban frère et ban sœur, Ramadan c'est une grande occasion qu'Allah paie de nous pour qu'il nous unit. Alors la vérité, nous tous nous retournons vers le Coran, nous tous nous retournons vers le Coran. Sincèrement, bon frère et bonne soeur, mille solutions du monde pour penser comment pour éliminer ce problème de division parmi nous là. Mille solutions du monde pour porter, non, il n'y a pas pour penser là-dedans. Aussi longtemps, nous tous nous pas retournons sincèrement vers le livre de la guidance, vers le Coran. Alors, bon frère et bonne soeur, Ramadan peut rentrer. Ramadan peut rentrer nous mes sens, nous la vie. Pense pour sens nous l'attitude envers le Coran. Pense pour sens nous en ce qui concerne façon qui nous guette salive là. Alti la guidance depuis le Coran. Arrêtez avec sa mentalité. Mon besoin lire une fois mon faire khatam Coran, deux fois mon faire, trois fois mon faire cinq fois khatam Coran dans Ramadan. Mais seulement quand nous guettez, qui t'offre une gagner avec la guidance qu'il y a dans sa Coran là, nous trouvons
trouvent encore pareil. Ben frère et ben soeur, si vraiment musulmans, dans Ramadan, nous t'y retournons de la guidance de Coran. Chaque année, nous t'y trouvons révolution parmi ben musulmans. Chaque année, nous t'y trouvons changement parmi ben musulmans. Chaque année, nous t'y trouvons comment musulmans peuvent laver la main. Avec bonne pratique qui n'a pas fondé dans dîne, avec bonne conception qui n'a pas fondé dans dîne, nous t'y retrouvons, nous t'y retournons vers l'islam authentique, vers le Coran, vers l'Ivre Allah, vers Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, mon frère de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala finance et nous en dua. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أو نرب نبا ديفي نولكي أبري كي توفين غيد نولكي أو نرب نبا ديفي نولكي أبري لا غيدانس دونك سا أوسي سي دان دعاء كينا دا قران اي كي نو دا رمضان نو بوفيا سا دو على avec الله سبحانه وتعالى اي سا دو على بي بروف نو بان فري سا سي بارول الله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Voilà, n'a pas dévié nous les qui après la guidance. Védia est dans sa catégorie musulman. Qui Coran vin vin véali avec la guidance. Coran vin vin véali avec la guidance. Sa guidance la fin descend dans son équipe. Celui qui a fini gagner la guidance du Coran, mais après un certain moment, il vit et les dos. Après un certain moment, il vit et les dos. Alors, si nous venons arriver, tombe dans le piège Shaitan. Si nous venons arriver, mal comportement avec le Coran. Nous n'avons pas fini connaître comment pour respecter le Coran, comment bizarre. Nous venons dévier après la guidance. Ramadan, c'est un occasion. Retourne vers le Coran. Retourne vers l'Ivre Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, si nous retournons. Vers l'Ivre Allah subhanahu wa ta'ala, les poubons pour nous iman, les poubons pour nous sauve nous là pour qu'on dive l'enfer, les poubons pour nous madame, pour nous enfants, les poubons pour qui nous redresserait problème qu'il y a dans ça, le monde là, quantité l'immoralité qu'il y a dans le monde, quantité crime qu'il y a dans le monde, quantité fraude qu'il y a dans le monde, tout ça man problème là pour résoudre, jour qui musulman fin retourne vers le Coran, qui fait nous pétant. Pour retourner vers le Coran, c'est un trésor qui nous est là. Tout ça, ban pays là, tout ça, ban pays là, je peux de ça même. Comment pouvons-nous aller l'autre dans l'eau, la terre? Mais nous, ban musulmans, nous pouvons aller l'autre la terre, pas par aucun droit qui gagne, pas par juif, et nous faire les autres souffrir. Nous pouvons pas faire la justice, l'eau la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste honneur au Coran, honneur au livre, Allah rabbul alamin, honneur aux paroles, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon frère, c'est ça, c'est un rappel. Un rappel important pour nous tous qui fin décide pour changer dans Ramadan. Peine à doute, même combien nous fin désobéir à Allah, même combien nous connaît nous fin faire quelque chose qui n'a pas besoin, car Ramadan peut coster. En vérité, nous les qui sommes contents, nous peut regretter pour ce qui nous mal fait, nous peut regretter pour le péché qui nous fait, nous peut sentir une certaine tristesse pour le péché qui nous vient arriver commettre. Et vrai même, nous peut prendre une décision. Ferme au fond de nous les cœurs pour qu'ils nous changent. Oui, ben frère Ramzan, nous bisons changer. Nous bisons changer dans Ramadan. Nous changeons nos façons vives. Nous changeons nos mentalités. Nous changeons nos latitudes. Nous changeons tout. Changeons nos comportements vers le Coran. Retourne vers le Coran. Par considérer sa livre là, c'est ça même la guidance. Retourne vers le Coran. Par considérer sa livre là, ça même livre à travers lesquels Allah pousse. Sauve-moi vers l'enfer. Qui désavantage nous pour gagner si nous retournons vers la guidance du Coran? Qui dit-on nous pour subir si nous retournons vers la guidance du Coran? N'a peine à dit-on, n'a peine à dit-on désavantage. Et n'a zis l'avantage. Et n'a la prospérité. Et n'a dit bien bonheur pour sa oummatla. Nous pétarder pour retourner vers un Coran pareil. Nous pétarder pour retourner vers un Coran pareil. Tout ça, ban pays là. Pérod ça même. Comment pouvez la prospérité l'eau la terre, comment pour la tranquillité l'eau la terre, et nous déjà une trésor là qui fait nous malgré qu'il nous ait un trésor pareil, nous n'a pas peur de ni se valer qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Les gars, nous vivons pour témoin la rentrée de Ramadan. Allah Rabbul Alamin, les gars, nous vivons pour témoin la fin de Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, les gars, nous vivons et en bonne santé pendant toute longue mois, toute longue mois, décembre, pendant toute longue mois Ramadan. Allah Rabbul Alamin, les viens nous aider encore et encore Ramadan dans nous la vie. Allah Subhanahu wa Ta'ala, à chaque fois qu'il nous aide Ramadan, les viens nous vivre un meilleur musulman de ce qui nous était l'année passée. Allah Subhanahu wa Ta'ala, à chaque fois qu'il nous aide Ramadan, l'aide-nous pour qu'il nous sente et nous vienne un meilleur musulman à chaque fois qu'il nous en ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala fait nous une plissée et dans nos bonnes obligations. Libère-nous, débarrasse-nous de toute bonne négligence, de tout bon péché qui nous finit capable et dans nous. Et un pli grand sens moi qui nous bise dans nous, bon frère et bonne soeur. Retourne vers le Coran pour considérer ce livre-là. C'est ça même la guidance, c'est ça même chemin vers Jannah, c'est ça même chemin qui nous sauve nous qu'on dit vers l'enfer. Qu'Allah Rabbul Alamin n'y porte de nous pour nous bon péché. Allah Rabbul Alamin l'y n'a pas attrapé pour nous bon manquement, pour nous bon négligence. Allah Rabbul Alamin l'y récompense nous pour nous bon bonne action. Allah Rabbul Alamin fait nous vivre un meilleur Ramadan, un Ramadan qui vient comme une solution pour nous, pour nos problèmes personnels, un Ramadan qui vient une solution pour les problèmes de sa ummat là, un Ramadan qui vient un soulagement pour tous nos frères qui peuvent souffrir dans un pays arabe. Allah Rabbul Alamin fait ce Ramadan là, vient une occasion pour que nous tous nous unions la vérité, le livre Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Coran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Et un petit rafraîchissement, mon frère.